Bien le bonjour à tous, je suis Sébarius et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Sébarius Gaming, dont le but est de vous faire découvrir toutes sortes de jeux, qu'ils soient déjà sortis ou à venir. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc, ceci dit, allons-y, et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la création du personnage dans le jeu Myth of Empire. Donc allons-y, dans Myth of Empire, vous avez bien sûr la classe... Pas la classe, mais le personnage masculin et le personnage féminin. Vous avez des visages, dans le fond, ou des corps, tout préfaits d'avance, prédéfinis. Donc, pour le visage ici, on pourrait avoir ce visage-là, celui-là. Celui-là, on peut jouer avec la grandeur, la grosseur, les muscles. Le sable, la terre sur le personnage. Vous voulez un peu plus propre, un peu plus sale. Évidemment, la couleur de la peau. Vous pouvez venir ici pour le placer comme vous voulez. Donc ça, c'est les personnages déjà préfaits. On a les corps, les visages, si vous voulez les faire vous-même. Donc, nous, on va se faire un personnage masculin. On prendra pas les préfets, on va aller le faire nous-mêmes. Donc, pour le corps, on va le mettre un peu plus grand. Un petit peu de poids comme ça. Les muscles, on va laisser comme ça. La terre, oh, pas trop sale. La couleur de la peau, bon, ça c'est bien. OK. On y va pour les visages. Les pommettes. Après comme ça. On va prendre un visage de base pour nous aider à partir avec. Ça va aller plus vite. Et voilà, comme ça. OK. OK, on a la mâchoire, on a les pommettes ici dans le visage, comme on vient de le voir. La mâchoire, des fois, on peut le tourner juste légèrement pour pouvoir... c'est plus ici que ça bouge. Okay, comme ça, le cou. Un peu plus grand, un peu plus court. La largeur. Oups, on le met de face. Bon. Le menton. Pas trop. Bon. La mandibule. Le bas de la mâchoire. C'est bon. Bon, on a ici, ça c'était pour le corps. On a ici la tête, plus précisément, dans le fond, on a les yeux. On va avoir le nez, la bouche, les oreilles, puis ensuite la chevelure. OK, la taille des yeux. Petit, petit ou grand. Tiens, on a des grands yeux. Les angles, plus droits. La profondeur, comme ça. La hauteur des yeux, pas trop, pas trop. Et la largeur. Bon. Ça encore un petit peu, comme ça. OK, escalader, ça c'est quoi? OK, c'est le globe intérieur de... Tiens, comme ça, c'est bon. OK, on y va pour le nez. La taille du nez, pas trop gros. La profondeur, on va tourner un peu. C'est comme ça. La hauteur. Comme ça, la largeur. Oups, ça va mieux de face.
Ça, c'est bon. Une petite affaire de moins, comme ça. Ok, les arêtes du nez. Ouais, ça se voit mieux de côté, ça. C'est vraiment ici. La profondeur du bout du nez. La hauteur. Ça, mes yeux sont gros. Pas les yeux, le globe oculaire ici. C'est un peu mieux. Ok, pour le nez, ça c'est correct. Pour la bouche, ah ben pour le nez, attends, il est large un peu ici. C'est celui ici. Oh, ça bouge pas. Non, ça c'est en haut. Je crois que c'est lui la profondeur. Tiens, comme ça. Bon, les lèvres, la bouche. Un petit peu plus grand quand même. La profondeur. Ok. Pas trop. Comme ça. Un petit peu plus large. L'épaisseur des lèvres. Un peu plus. Bon. La hauteur. Pas trop. Pas trop. La lèvre inférieure. On laisse à peu près ça comme ça. Supérieur. Oups, pas trop. C'est un petit peu beaucoup. Tiens, comme ça. Les coins de la bouche. Profondeur. Ouf, la lèvre, ouais, est sortie beaucoup. Profondeur, c'est celui-ci. Juste la lèvre supérieure, l'épaisseur. Non, ça c'est juste en hauteur. Peut-être lui, non. Ok. Ah, c'est peut-être la profondeur, ben oui. Ça c'est bon, ça c'est bon. Les oreilles. Tourne un peu comme ça. Un petit peu plus petit. La hauteur. Les ongles. Ok, comme ça, c'est bon. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, les cheveux. On peut avoir la tête rosée. Excusez. Les grandes tresses. Ouf. Peut-être celle-là. Ça avec des dreads. Ouf, c'est un petit peu trop. La petite toque en arrière. Non, on va y aller avec celle-là ici. Plus conventionnelle. Ça c'est ok, la couleur des cheveux. Les blancs. Ou un petit peu plus vieux, gris. De l'expérience. comme ça, peut-être un petit peu moins foncé le noir. Ouais, c'est bon ça.
Ok, oh boy, il y a des barbes. Ok, pas de barbe ici. La petite barbichette. Oh, la barbe. Petit peu ébouriffée. Barbe conventionnelle. Il y a plusieurs sortes. Oh, vous avez vraiment de tous les styles en fait barbe. Ah, si, c'est rasé. La grosse barbe. Comme les nains. Peut-être plus comme ça, moi. Peut-être pas le menton, là, mais. Tiens, celle-là. C'est bon, ça. Bon, on a trouvé la barbe. On a les couleurs ici pour les barbes également. On a les sourcils. Les angles, comme ça, un petit peu plus droit, profondeur. La hauteur. Tiens, la largeur. Ok, on a-tu oublié des choses? Non, non, non. Ça, c'est tout fait. Peut-être juste la mâchoire, tantôt, les pommettes, je voulais mettre un petit peu plus. Le cou, le menton, la mandibule. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, on va ici. On a les tatous sur le torse. Le bras de gauche, on va y mettre un tatou. Oh, panthère. Sur la jambe. Ok, il faut la remettre à chaque fois, là. On va juste voir, là. Ok, on va l'enlever ici aussi. Disons sur le torse, on va les voir mieux. Ok, on a celui-là, celui-là. Ouf, c'est gros, vraiment gros, c'est envahissant. Ok, mais on peut les bouger, c'est vrai. Comme ça, à l'horizontale. Verticale. Ah, ça a plus de sens comme ça. On peut les agrandir, les rapetisser. Les faire pivoter. C'est vraiment cool. La luminosité. Ok, plus foncé ou moins foncé. C'est bon ça. Ok, on a celui-là. Ouf, il y en a plusieurs. Il y en a 11. Oh, tout en couleur. Évidemment, le jeu, il est très axé asiatique, dans un monde asiatique également. Donc, les tatous suivent également pour garder une certaine cohérence ou réalité, si vous voulez. Les écritures, demandez-moi pas ce que ça veut dire. Ouf, il est vraiment cool, hein? Un petit peu gros, mais. Je ne sais pas si par la suite on peut revenir modifier ou rajouter, enlever un tatou. Vraiment cool l'araignée. Vous avez vraiment beaucoup de choix.
Donc, j'avais vu. Peut-être celui-là que j'aimais. Peut-être le rapetissé, par exemple. Puis l'horizontale. Ouais, c'est plus pareil quand on le fait comme ça. Si on met la panthère, oh non, c'est trop. Peut-être plus lui. Ouais, il est moins large, il est plus en V. Comme la forme du corps, un peu. C'est bon ça. Donc, on s'en va maintenant aux voix. Hey, Gensha, tiens, gong nous shao, gong ji. Je ne sais pas s'ils vont faire les voix plus en français ou en anglais, ou dépendamment dans quelle langue vous jouez. Terrain. Voix masculine 2. Masculine 3. Tiens. On va prendre elle. Donc ici, quand tout est fini, vous avez le choix de venir enregistrer le modèle ici, définir aléatoirement. Là, on n'a pas tout fait ça pour rien. qu'est-ce qui est écrit? Importer les modèles de personnages ou par défaut. On y va avec le nom. Évidemment, c'est Barius. Et voilà, c'est fait. C'était la création du personnage. C'est aussi simple que ça. Évidemment, il n'y a pas de classe dedans. Vous allez vous-même créer votre classe. À votre façon de jouer, allez-vous vouloir vous battre au corps à corps, à la lance, à l'arc, c'est comme vous voulez. Donc, ça complète pas mal ce que je voulais vous montrer pour les classes. Pardon, pour la création du personnage. On va se revoir dans une prochaine vidéo, évidemment, pour voir les nouveautés du jeu. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le jeu, sur la création du personnage. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.